de voir un très bon exemple d'un projet considérable sur la ville de Turin, qui est mené avec une volonté politique manifestement durable par la commune de Turin, qui réaménage d'anciens sites industriels dans des proportions tout à fait importantes, avec manifestement des réussites dans ces opérations, et qui axe beaucoup son développement et sa manière de faire sur un exemple d'éco-quartier qui me paraît tout à fait remarquable. Pour ça, je pense qu'on va avoir beaucoup de leçons à tirer de ces expériences. Nous avons pu voir encore aujourd'hui deux ateliers mobiles à Turin passionnants qui se rapprochent beaucoup de ceux de Malmö et Copenhague. Mais on s'aperçoit encore aujourd'hui que ce genre d'ambition de projet principalement lié aux accords et aux décisionnaires politiques, sans eux rien ne se fera. Un démarrage et une insufflation immédiate de besoins financiers pour démarrer ce type de projet est inévitable. Les possibilités d'investissement du privé ne pourront venir qu'en deuxième partie de ce genre de projet.